Salut les rétrofans! Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les packs Amada. Et voici donc cette cinquième vidéo sur les packs Amada. Aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs un peu plus exotiques. Allez, c'est parti! Allez, on commence doucement avec le pull pack que tout le monde connaît. Donc, c'est le pack de cartes classique avec une prisme dessus. Ensuite, donc le SP Case, donc ça c'est un tout petit pack, il y a 5 cartes dont une prisme et un petit reader. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Des packs avec des crayons dedans. Alors, attendez, hop, je vais dézoomer. Voilà. Donc la série n'est pas référencée encore. Il y a bien marqué en haut. PP card, donc c'est considéré comme une comme des PP, hein, je suis pas fou. Voilà. Et dedans, donc il y a 4 cartes, voilà, plus 4 crayons. À savoir que jusqu'à maintenant, j'ai vu que 2 packs, c'est-à-dire le numéro 1 et le numéro 2. Ouais, le numéro 2. Voilà. Avec donc. Des crayons différents, je vais zoomer un petit peu là. Voilà, si vous en avez vu d'autres, dites-le moi. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Donc là, on va passer dans du Menko. Donc là, on a des petits Menko GT qui sont sympathiques. Avec un petit effet silver. Vous voyez bien à la caméra. Voilà, avec derrière la petite explication du jeu de Menko. Si vous voulez savoir plus sur les Menko, cliquez sur cette vidéo qui est ici, là, où je vous explique un peu comment ça marche. D'ailleurs, tant qu'on est dans les Menko, donc ça c'est un gros pack de Menko. Voilà, Mada, toujours. Hein. Voilà, avec dedans. Des petits packs avec des prismes. Voilà. Donc des petits sachets random en papier à déchirer. Très sympa cette boîte. C'est de la grosse boîte, hein. Et pour finir cette vidéo des trucs un peu chelous à Amada, le New Cap Collection. Alors ça, c'est une arène de Pog. Voilà. Donc encore une fois, les Pog, les Menko, c'est pas très loin hein, le système. Voilà, donc on a une espèce de petit tapis en fait, qui sert d'arène. Avec un petit set de Pog. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les packs Amada. Donc la cinquième, j'essaie de vous trouver des trucs un peu différents à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Dans ce petit bonus, je vais vous montrer plus en détail ceci. Donc, je vous en ai parlé dans la vide, c'est un petit reader. Mais qu'est-ce un reader? Donc, c'est ça. C'est une espèce de petit étui. Voilà, souple. À savoir qu'il y a aussi des readers en plastique dur. Et donc, ça vous sert à savoir le niveau secret des cartes d'énergie qui est caché au dos sur les PP cards évidemment. Donc voici, donc là vous voyez, là on se dit bon ok, en fait on met la petite carte là dedans. Ah, c'est serré hein. Et là magique, on arrive à lire un truc
presque. Ou pas. Voilà. J'ai eu du mal. 22 000 donc. Voilà. Allez, ciao.